Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous montre comment on fait pousser des menhirs avec des graines de menhirs. Oui, et c'est très sérieux. Bienvenue sur Explolis. Ouais, je me suis mis en intérieur. Le matos n'aime pas la pluie. Comme je disais en intro, je vais vous montrer comment faire pousser des menhirs. Depuis des années, et des années, même des siècles, les archéologues s'arrachent les cheveux pour connaître les techniques de lever des pierres avec les moyens du néolithique. S'ils savaient... Si, si. J'ai toutes les infos et j'ai même fait des tests concluants chez moi. D'où viennent les infos ? De mon arrière, dans votre jardin, il faut beaucoup de paramètres afin d'avoir un ou plusieurs bébés granitiques chez vous. Si vous êtes en appartement, n'y pensez même pas. Donc, il vous faut avant tout des graines de menhir. Si, si, des vraies graines de menhir. Je vais vous montrer. Pour avoir des graines, la récolte se fait en rapport à la Lune et son cycle. Tous les ans, en prenant en compte le calendrier de Coligny, le cycle lunaire change, soit il y a 13 mois, soit 12. Une lunaison, et ça vous le savez, dure 29 jours. C'est pour ça que vous avez, sur le calendrier chrétien, qui sert aujourd'hui, 13 lunes noires, dites nouvelles lunes, en une année. Généralement, on peut récupérer des graines au pied des menhirs vers le 20 août jusqu'à environ 9-10 octobre. On est à peu près sur la dernière phase lunaire avant le début de la saison sombre. Personnellement, je prends mes graines entre le 20 août et le 1er septembre. Comme ça, la plantation se fait de la même période. Ça pousse un peu plus vite que si je les prenais en fait proche octobre, à cause de l'ensoleillement. J'en parlerai plus tard. Après, c'est mon expérience. Hein. Franchement, voilà, c'est comme ça que je vais fonctionner. Donc, voilà des graines de menhir que j'ai prises. Ce sont des exemples, hein, parce que j'en ai beaucoup plus que ça à planter. Différentes couleurs. C'est important d'avoir une diversité de couleurs dans votre jardin. Il y a toutes sortes de pierres. Forcément, différence aussi dans la taille. Ne prenez pas toujours la même chose de côté pointu, comme ça là. Voilà, pas, voilà. Pas ce type là, on en voit déjà beaucoup comme ça. Prenez une diversité, vraiment. Pas trop épaisse, pas trop haute, pas trop grosse, pas trop lourde non plus, pour qu'elle pousse bien. Voilà, donc... Eh bien ça va être planté et ça fera de très très beaux menhirs. Alors comment on reconnaît les graines? C'est vraiment facile. Ce sont les petites pierres qui reposent sur le sol sans être enterrées. Je m'explique. Votre sol est là, d'accord? Et la pierre est là. Si vous forcez même légèrement, ce n'est pas une graine. C'est aussi simple que ça. Contrairement aux plantes, il n'y a pas de graines stériles. Si ça ne pousse pas, c'est que votre sol est en défaut. Il est mort quoi. Donc en fait c'est simple, hein, vraiment, votre sol est là et la pierre, faut pas qu'elle soit en dessous. Faut qu'elle soit au-dessus. Voilà, juste posée quoi, tout simplement. Afin d'avoir un terrain propice à une plantation de pierres levées et avoir de gros et beaux menhirs, il vous faut un terrain riche en fer. Les terres anciennement volcaniques sont idéales pour planter des menhirs. Alors, il y a une rumeur comme quoi, si on concasse des pierres volcaniques sur un terrain non ferreux et que l'on met dans un trou en terre ces petits morceaux de pierres volcaniques, le menhir pourrait pousser. Alors cette rumeur, je ne l'ai pas testée par ici, en Bretagne, on n'a pas besoin de roches volcaniques pour que ça pousse. Si vous avez chez vous un sol calcaire ou argileux non ferreux et qu'il y a des menhirs, donnez-moi... Dites-moi dans les commentaires le nom
du lieu ou de la région. Car il serait intéressant de parler avec un planteur de menhir de votre région, de votre coin, et comparer le mode de plantation. Moi, je prends, franchement. Donc merci d'avance, vraiment. Ça pourrait m'être utile. Là, maintenant là, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 5 septembre. J'ai récupéré une cinquantaine de graines de menhir sur 4 sites différents et je les plante cette nuit, dans un champ environnant. Enfin, pas chez moi quoi, et surtout sans trop de lumière. Ouais, parce qu'en fait, j'ai pas assez de terrain. Donc planter des graines de menhir se fait la nuit et là, on prend en compte l'heure du soleil. Je parlais de la saison sombre un peu plus tôt dans cette vidéo et à partir d'août, nous perdons beaucoup de lumière du soleil jusqu'au solstice d'hiver. Et on doit planter les graines avant, bien avant l'équinoxe d'automne. Je rappelle qu'elles doivent être ramassées au plus tard le 10 octobre. Et c'est très important. Il est important aussi de planter vos graines entre 20h et 22h solaire. Soit entre 22h et minuit en France, heure d'été. Les graines sont chargées en photosynthèse minérale, c'est presque comme une plante, sauf que c'est un processus de manière géologique. Me demandez pas, c'est comme ça. Pourquoi à ces heures-ci? Parce que le jour laisse juste sa place à la nuit et que c'est le bon moment. Si, si. Alors ce soir, je vous montre la façon de les planter avec une petite lumière rouge. Et c'est important, pas de lumière vive, pas de lumière blanche, de la lumière rouge. Et je vous dirai pourquoi. À ce soir. Bon, ça fait vraiment bizarre en fait là. Donc lumière rouge. Là j'ai choisi un champ dans une clairière. L'agriculteur s'est marré parce qu'en fait je lui demandais si je pouvais planter des menhirs, il s'est marré. Donc en fait on le voit pas. La graine de menhir est là. Je sais pas si on revient. Non. C'est peut-être bizarre quand même là-dessus. Et en fait, je vais planter ça. Je vais vous montrer comment on plante. Une seule, parce que en lumière rouge, c'est chiant. Pourquoi lumière rouge? Parce qu'en fait, si on prend la lumière vive, tout ce qui est dans la graine au niveau du soleil se décharge. Donc c'est mort. Je vais vous montrer comment ça marche. Je ne sais pas si on voit bien là. Donc j'ai une pique en ferraille. Je fais un trou. Ouf, la terre est sèche. Un trou, je mets dedans, je plante. Je vois un peu ou pas? Je sais pas si on voit. On voit rien du tout, moi. Donc je plante bah, là droit, comme ça, voilà. Et je laisse comme ça, légèrement recouvert. Et on voit très mal, hein, je suis désolé. Lumière rouge, normalement ça se faisait aussi à la bougie ou avec une torche. Et pas de lumière vive en fait. Je vais éteindre ça. Ouais, donc pas de lumière vive, surtout pas. Autrement ça bousille l'énergie solaire et ça le fait pas. Donc c'est avec ça, là, c'est en métal. Ou avec du bois. En tout cas, vous mettez un petit peu, faites un petit trou et vous mettez la graine après. Donc là, je vais en faire plein ce soir, demain aussi, demain soir aussi. Vu qu'on voit rien avec la lumière rouge, je ne veux pas tout filmer, je ne vais pas filmer du tout. Et on se voit dans 3 semaines, un mois à peu près, pour voir la première pousse qui va se faire. Salut! Donc 3 semaines plus tard, on arrive enfin sur le champ. Comment dire, je vais vous dire que l'entretien, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'en fait, c'est de la pierre, quoi. Il n'y a pas besoin de les tailler et... Putain... Là, je suis mal. Je suis mal. Normalement, ça devait être des petits tas. Enfin, on devait avoir commencé. Enfin, pas grand chose quoi. Là, je suis mal. Putain, ça va se voir. Ça va se voir grave. Je vais vous montrer, mais. Bon, alors, normalement, c'était pas à cette taille là. Hein, vraiment. En plus, il y en a qui ont mal poussé. Je suis dans la merde. Je suis vraiment dans la merde. Regardez celui-là. Il est plus grand que moi.
Putain, je suis mal barré, putain. Ça va se voir, hein. Vraiment, ça va se voir. Enfin, mais... On devient vraiment à cette taille-là, quoi. C'est ça, voilà. C'est 3 semaines, ça. Il est où ? Ça, c'est 3 semaines. Putain, il y en a plein grand partout, quoi. Mais oh là là, mais non. Oh, ça va se voir un peu là. Ah, celui-là aussi, il est plus grand que moi aussi, celui-là. Et l'autre aussi là-bas, putain. J'ai fait une belle connerie en fait là. Je sais pas ce qui s'est passé. Putain, le devant aussi. Alors en fait c'est simple, je suppose même que le terrain est trop riche en fer. Normalement on a ça au bout de 10 ans. Il doit faire. On a ça au bout de 10 ans quoi. Et puis voilà, c'est pas du tout cool, c'est un an de passage de la route. Je pense que la recette ne dit pas tout sur le mode d'emploi. Je sais pas. Bon, en tout cas, si ça vous a plu, c'est cool. Je vais revoir mes méthodes parce que ça le fait vraiment pas. Donc abonnez-vous à la chaîne et puis je verrai plus tard s'il y a je vous expliquerai si j'ai merdé ou pas et comment j'ai merdé. Voilà, donc on va faire comme ça. Allez, salut.